Nous sommes très heureux ce soir. Benjamin, David, Virginie qui est amoureuse de lui depuis Panique à Needle Park. Et puis Laurent qui est amoureux de lui depuis toujours. Ah oui, toujours. Hein, tu l'as croisé en coulisses. Oui. Et là, vraiment, j'ai vu que c'est une partie de l'histoire de ton cinéma, de notre cinéma qui défilait. Ah oui, je... Alors, on va pas refaire sa carrière, mais enfin, Le Parrain, Serpico, Panique à Needle Park, je l'ai dit, Brian De Palma, Sidney Lumet, Sidney Pollack, maintenant Michael Mann qui l'a dirigé dans Heat face à l'autre géant qui est De Niro. Voici Monsieur Al Pacino. Ouais. Pacino, invité exceptionnel de ce studio Gabriel, exceptionnel. Je suis très heureux, très fier de vous accueillir parce que depuis quelque temps, les vedettes américaines dont je parle dans ce show sont plutôt les effets spéciaux et les bodybuilders. Ah, c'est vrai que le... C'est... Oui, parfois, je ne sais pas si je dois parler en français, que je ne connais pas, mais j'entends la traduction. Vous m'avez dit que des gens qui font du bodybuilding viennent ici. Mais le cinéma que vous aimez, vous, c'est aussi celui que nous aimons beaucoup. Oui, moi, je fais partie des effets spéciaux. Je ne suis pas là, en réalité. Al Pacino, avant de parler de Heat, où vous jouez le rôle d'un policier pas comme les autres. Je voudrais qu'on revienne quelques instants sur votre carrière. Il faut préciser que vous êtes un homme de théâtre, que vous avez commencé par le théâtre. Beaucoup de jeunes téléspectateurs qui ont vu vos films et qui vont aller voir Heat ne se doutent pas que votre vraie passion au départ, c'est le théâtre. Oui, c'est comme ça que j'ai commencé au théâtre. J'ai joué beaucoup de pièces à New York. C'est off-Broadway dans le Greenwich Village. Et peu à peu, je suis devenu impliqué dans des productions plus importantes et des gens m'ont vu. Et puis, j'ai eu l'occasion d'être au cinéma et puis voilà, je suis là ce soir. Dans tout ce qui a été écrit sur vous, j'ai lu que votre mère vous a encouragé à faire ce métier, que votre mère vous a encouragé à faire du théâtre. Ma mère m'a encouragé, oui, c'est vrai. Quand je regarde en arrière et que je me rends compte que ma mère m'a beaucoup encouragé quand j'étais jeune, oui, c'est vrai. Alors, on va voir quelques photos, parce que tous les Français ont vu ces films. Vous allez me faire un petit commentaire sur chacune de ces photos. Ça, c'est Panique à Needle Park. Oui, ça, c'était le premier film que j'ai fait. Et c'était sur les problèmes de drogue à cette époque, à New York, dans les 60, dans les années 60. C'était une histoire vraie. C'était au sujet de ce couple qui vivait à Needle Park, qui est dans la 71e rue. Et c'est un tout petit parc qui avait une forme d'aiguille. Dirigé par Jerry Schatzberg, que vous avez retrouvé dans ce film. Jerry Schatzberg, oui. Oui, ça c'est Scarecrow, l'épouvantail, avec Gene Hackman. Et je l'ai fait très peu de temps après Le Parrain numéro 1. Et j'étais là avec Gene Hackman. Et j'ai fait ce film-là, oui. Il y a un autre metteur en scène qui a beaucoup compté dans votre vie, c'est Sidney Lumet, qui vous a dirigé dans Serpico. Ah, Sidney Lumet. Oui, Sidney Lumet, oui. Il m'a donné l'occasion de jouer le rôle d'un policier qui existait en réalité, qui était Serpico, qui avait mis à jour tout ce qui se faisait de pas très propre dans la police new-yorkaise. Et puis, il y a eu ce film que personne n'a oublié parce que vous aviez deux actrices francophones à vos côtés, Marthe Keller, ça c'est Bobby Durfield. Oui, j'ai fait ça à Paris. Duperré, d'ailleurs, oui, vous êtes à Paris. J'ai vécu ici, c'était il y a 17-18 ans. Oui, on a fait ce film avec ce chauffeur ici, oui. Et puis, cette photo, évidemment, qui est une photo de la légende du cinéma. Michael Corleone, Francis Ford Coppola, 80. Ça, c'est le film qui vous a fait connaître de la planète. C'est le film le plus important pour vous ?
pour votre carrière. Oui, Le Parrain, oui, le numéro un, oui, c'est vrai. C'était le film de Francis Ford Coppola et c'était la première fois que j'ai eu un public très important parce que beaucoup de gens ont vu ce film. Alors, maintenant, nous revenons en 1996 avec le film de Michael Mann, The Heat, que j'ai vu hier. Je suis resté bloqué dans mon fauteuil pendant près de 3 heures et ces 3 heures passaient à une vitesse incroyable. Qui est le lieutenant Vincent Hanna? Quel type de flic est-il? C'est un inspecteur pour des choses qui sont qui l'obsèdent. Il est très obsédé par son travail et il a besoin de chasser les criminels, de les poursuivre. Alors, c'est un chasseur et le gibier, c'est De Niro. De Niro, ouais. Qui a passé 7 ans en prison et qui a décidé de ne plus jamais se faire prendre par les flics. Voilà, en deux mots, ce qu'est The Heat. Mais c'est plus que ça. C'est la rencontre entre deux acteurs de génie, deux monstres sacrés, Pacino et De Niro. Voici la bande-annonce. Ça va vous donner envie d'aller voir ce film. C'est un film absolument prodigieux. Il est là. Je le sens à plein nez. Tu as besoin de repérer l'odeur de ta proie avant de la traquer. C'est la seule chose qui compte pour toi. Ça me maintient en forme. Je suis à l'affût. C'est ma raison d'être. Si tu veux faire tes preuves dans la ville, tout ce qui a pu entrer dans ta vie, tu dois être capable de t'en débarrasser en 30 secondes, montre en main, dès que t'as repéré un flic dans les parages. Ma vie à moi, c'est la zone. Et tu sais pourquoi? Parce que je passe tout mon temps à courir après des types comme toi dans tout le pays. Je fais ce que je sais faire. Je braque des banques. Tu fais ce que tu sais faire, t'essaies d'arrêter des types comme moi. Tu es comme un mort qui traverse notre vie. Tout ce que j'ai, c'est ce que j'ai pas encore trouvé. Du Parrain au temps d'un week-end. Où est-ce qu'on en est? Dredging Bull aux affranchis. Suppose qu'ils connaissent notre numéro, suppose qu'ils connaissent notre adresse, suppose qu'ils nous connaissent. Leurs interprétations sont entrées à jamais dans l'histoire du cinéma. Je veux une surveillance à plein temps, 24 heures sur 24, de nuit comme de jour, ouvert même le dimanche. Aujourd'hui, pour la première fois, les deux acteurs américains les plus prodigieux s'affrontent. Avec ce flic et toute cette pression, c'est de la folie. La banque justifie les risques. On devrait se la faire. Plus de 12 millions. Je marche. Ces mecs-là, c'est des pros. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Je crois qu'une prime de risque s'impose, mon lapin. Tu es le fugitif numéro un, l'homme à abattre. Je suis deux fois plus dangereux que ton pire cauchemar. Si je suis sur place et si je dois te neutraliser, ça ne me plaira pas. Mais je le ferai. Je serai forcé de te descendre. Mais admettons que tu m'es coincé et que moi je doive te descendre. Parce que jamais je te laisserai me barrer la route. Ne crois pas que j'hésiterai. Pas une seconde. Al Pacino. Robert De Niro. Val Kilmer, dans un film de Michael Mann. The Heat, le film événement de ce début d'année. Nell McCauley, joué par De Niro, qui est le gibier, vous êtes le chasseur, a des choses très communes avec celui qui le pourchasse. On le dit d'ailleurs dans le film, hein. Il y a une parenté entre les deux. Quelque part, ils se ressemblent. Oui, c'est comme les deux faces d'une médaille. Oui, cette ambivalence sur les deux. C'est ce que Michael Mann a fait très intéressant, de faire que le flic et que le gibier soient tellement reliés l'un à l'autre. Ce sont des professionnels qui vont jusqu'au bout de ce qu'ils... Oui, mais ils ont également une vie personnelle qui est un désert. Parce que la vie du flic que vous présentez est un désastre, sa vie personnelle. Oui, c'est exact, oui. Je pense que c'est ce que Michael Mann a essayé de montrer dans ce film d'aventure. Quelque chose d'une histoire personnelle de ces deux personnages et leurs relations. Et à la fin, vous ne savez pas exactement à qui vous identifiez. C'est très ambivalent. Si Sidney Lumet a dit beaucoup de choses sur vous, il vous connaît bien, vous avez tourné plusieurs fois avec lui, il a dit « Pacino me fascine par son pouvoir de concentration,
C'est un perfectionniste, il est parfois tellement dans son personnage qu'il a tendance à oublier la réalité. Ouais, je suis ici, hein. Mais c'est vrai que vous avez cette image de... Je pense que pendant que vous le faites, vous êtes très impliqué. Mais que lorsque le temps s'écoule, après que vous jouez dans beaucoup de films, vous apprenez à faire la distinction et vous séparez les choses. Est-ce que vous auriez fait la même carrière au cinéma si vous n'étiez pas venu du théâtre ? Non, je ne pense pas du tout. Je crois que c'est le théâtre qui m'a aidé à explorer un monde plus étendu que celui qui est celui du cinéma. J'ai joué dans des pièces qui avaient un éventail beaucoup plus large, beaucoup